Compagnons de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Chorale, merci. Merci. Moto, moto. Bien-aimés, voilà. L'Éternel Dieu a voulu que ce quatrième jour de la semaine, vous puissiez être avec nous ensemble. C'est une soirée qui est totalement consacrée aux prières de combat spirituel. Un chrétien qui est né de nouveau, qui ne maîtrise pas ou qui ne connaît pas c'est quoi le combat spirituel, il sera à la merci du diable. Dans le combat spirituel, le Seigneur voudrait que vous rappeliez à l'ennemi qu'il a déjà vaincu depuis le mont du calvaire et que sa victoire est également ta victoire. Le diable n'a plus un pouvoir sur un enfant de Dieu véritablement né de nouveau et qui marche dans les voies de Dieu. Dieu nous a donné déjà le pouvoir en Jésus-Christ et la clé passe partout. Capable de détruire toute puissance d'ennemis et marcher sur les forteresses du monde des ténèbres et les briser au nom de Jésus-Christ. Dans le combat spirituel, ce ne sont pas par tes propres efforts. Pas par vos propres efforts. Mais c'est Christ qui a déjà vaincu. Et tu fais que rappeler à l'ennemi ses défaites. Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, les principautés dans le lieu céleste. Et si vous comprenez cela, quand Jésus-Christ est victorieux, quel que soit le nom de la tempête, vous allez toujours témoigner la gloire de Dieu. Amen. Chaque quatrième jour de la semaine, que le monde appelle jeudi, nous avons ce que nous appelons les prières de combat spirituel. Aujourd'hui, nous avons un thème merveilleux, asseyez-vous. La délivrance de la famille. Bokangola mialibota. Voilà, voisin, la délivrance de la famille. Bokangola mialibota. Encore. Bokangola mialibota. Encore. Bokangola mialibota. Mais l'ennemi connaît qu'une famille, c'est presque une famille, ou je dirais, c'est une maison dans une maison. Voilà, voisin, une famille, c'est une maison dans une maison. Une ville dans une ville. Une église dans une église. Une nation dans une autre nation. Et l'ennemi connaît cela très, trop bien. C'est considéré qu'il a toujours combattu le mariage. S'il veut détruire la destinée des gens, c'est par là que l'ennemi rentre. Que vous le vouliez ou pas, vous le sachiez ou pas, depuis vos ancêtres, en passant par vos parents jusqu'à vous-même, des alliances ont été faites dans le monde spirituel. Pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Et si vous ne brisez pas cela, en vous élevant et priant au nom de Jésus-Christ, l'ennemi a juré que vous puissiez payer quand vos parents ont payé, quand vos ancêtres ont payé. Tu diras, mais non, je suis en Jésus-Christ. Oui, c'est bon. Mais Dieu aussi a permis qu'en Jésus-Christ, le Saint-Esprit soit réveillé dans son église. Afin qu'à un moment vous arrêtiez, que vous posiez des questions,
Pourquoi je prie? Mais ma vie ne change pas. Ma famille a toujours des problèmes. Mon foyer a toujours des problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Et si tu es persévérant là-dedans, si tu es sincère dans tes prières, Dieu permettra, même en plein service comme ça, que la lumière sainte de Dieu apparaisse et que ton cas soit révélé, également brisé. Aujourd'hui, c'est la délivrance de la famille. L'ennemi connaît que pour détruire une famille, il faut commencer par détruire les nez de la famille. Quand il prend les nez, il prend le second, le cadet, et il va contrôler tout le monde à l'intérieur. Si vous ne cherchez pas votre vie de délivrance, regarde ton voisin. Comment est le premier-né de ta famille? Ou comment le premier-né dans ton foyer? Ça peut paraître aujourd'hui, ça va. Mais si vous n'êtes pas pour briser la puissance contre les enfants premiers-nés, tôt ou tard, cela va les contrôler et les détruire aussi. Allez dans la Bible. L'ennemi s'est organisé, il a juré de détruire tous les enfants premiers nés de la vie. Même l'aîné de Jacob. C'était qui? Hein? Ruben. C'était qui? Ruben aussi a été détruit. Ruben, baby samaki. C'est comme ça que Christ, Dieu a envoyé Jésus-Christ comme étant son premier fils aîné. Pour que tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qu'il est sincère dans sa marche, qu'il soit capable d'être libéré des alliances qui condamnent le premier né et également se libérer et briser la puissance dans vos vies, dans vos enfants. Ce garçon n'a pas demandé cette vie. Jumez-moi la personne, s'il vous plaît. Il n'a pas demandé cette vie. Et je lui avais dit que la délivrance, c'est un processus. N'osez pas commencer ta délivrance et t'éclipser encore. Ces gens vont revenir encore très fort. Mais quand il vient aujourd'hui, deux jours il part, trois jours il ne vient pas. Et je lui ai dit, Dieu a commencé ta délivrance. J'avais dit, écoute, tu n'as pas demandé cette vie. Mais selon la révélation qui était ici, depuis l'âge de 8 ans, on avait amené comme homosexuel. Hein? Tout le temps, il était dans l'homosexualité. Dieu lui a fait grâce. Il est venu ici pour détruire. Mais Dieu l'a changé comme Saul. Mais c'est à lui maintenant de comprendre qu'il doit persévérer dans la délivrance. C'est pas que tu commences aujourd'hui, demain on t'amène la honte, tu fuis. Attention, quand la grâce de Dieu te localise dans la salle, au plus de là tu nous suis, de remercier Dieu. Mais quand tu seras habité par la honte, c'est ça la porte d'entrée pour te détruire. La délivrance, c'est un processus. Sidé Longwe, oui. On a prié Sidé Longwe. 39 ans. Hein? Si c'est pendant 31 ans, il est homosexuel. C'est Christ qui a délivré, c'est pas moi. Christ, tu verras qu'à travers ceci également, toute la famille est connectée. Attention, il n'y a aucun rapport entre les vivants et les morts. Il n'y en a pas. Mais si ton père ou ton arrière-parent a déjà fait une alliance certifiée par l'alliance du sang de la terre, si vous ne révoquez pas cela, il y a ceux-là qui sont présents, petits ou grands, aussi comme village, travaillent avec l'alliance. C'est Dieu qui guérit.
utilisait comme un agent du monde ténèbre. Pendant plus de 31 ans, il est homosexuel. Il est venu ici, on l'a envoyé pour détruire ici. Et la puissance aussi l'a transformé ici. Il doit maintenant se maintenir et chercher sa délivrance. Hein? C'est le micro. Où on te parle? La fille a peur. Bon, vous la retenez fixe. Et je mets moi la personne qui parle, qui manifeste là-bas. À travers ce qui se passe ici, ne regardez pas cela comme un spectateur ou un téléspectateur. Sachez que Dieu est en train de libérer les personnes. Si pas dans ta famille, dans ton foyer, même dans ta maison, même des choses qui ont été préparées dans ta famille, que Dieu est en train de briser maintenant. Si vous croyez, ceux qui ont dit mais. Voilà. Papa s'est accouffé, il n'y a pas de rapport avec le mort. Mais papa a fait ses alliances dans l'occultisme. Il y a quelqu'un qui est présent aujourd'hui qui travaille au nom de l'alliance. Et ce qui reste maintenant, c'est de confesser maintenant. C'est de confesser maintenant. Je l'ai dit aussi longtemps que tu vas hésiter de confesser. Oh, Sony, Sony. Ces géants vont commencer à manipuler parce que tu es en train de garder quelque chose qui leur appartient. Christ disait que je reviens. Mais le prince de ce monde n'a rien à me réclamer. Toi, tu gardes, tu ne veux pas confesser. Tu seras libéré totalement. Il est venu pour me tuer ici, non? Moi, je suis innocent. À ceux qui t'ont vu cette situation, je suis un homme. Qui a fait cela? Papa. Papa également était homosexuel. Son grand-père également était homosexuel. Donc son grand, donc une lignée donc, qui a commencé jusqu'à ce. Il est innocent. Mais ça vient de loin. Aujourd'hui, tu seras libéré des liens de la famille. Tu seras libéré des liens de la famille. Côté ton père et de ta mère. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà des choses. Mettez-moi le thème, s'il vous plaît, la délivrance de la famille. La Bible nous dit, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Pendant plus de 31 ans, un homosexuel. Depuis l'âge de 8 ans. Tu verras qu'un homosexuel qui sort avec lui, qui sort aussi avec ta fille, il va dire que toute ta famille sera contrôlée aussi par le sang. Il va dire que tout le sang sera contrôlé. Et là, vivre sur le salaki, tato à botaki ngai, nangai tata nai, tu sais qui va homosexuel, et là, qui alliance sur le salaki, pour la macamona bisco, il y a autant la famille, nini, hein, au sol, canini, tika fortina na kipede, ah, hein, tika yé, ou pessi moussala moussani, ou pessi yoana. Maintenant, il doit ouvrir son cœur, confesser tout ce qu'il a fait dans ce monde-là. Et c'est là, fond la montée, ma tube, la nuance, c'est la moquille, ouana. Ce que je veux dire, c'est que les mouches vont te suivre, n'est-ce pas? Tu n'as pas un cœur cigare dans ton cœur que tu ne veux pas confesser. Ni au bon moment, ou les gros tubes de la terre.
kende wana bisi moto ne ko tinda ye poton to te kai de puna libumu ah sina utala mai ah sina utala mai omoni mwasi ola dans le colonna ye et ça mwasi wa za kana ye si ko mwasi ola zo réclamer azo mona na homosexualité mo se onani monte moi ici c'est le tatou au basse que na braza monte moi le tatou là montez moi le tatou là c'était la reine là la braza la reine de la côte. Voilà. Montez-moi les tatous, vous qui aimez les tatous sur le corps. Montez-moi son tatou là, qu'on a brisé par le sang de Christ. Montez-moi le tatou là. Et quand ton voisin tient aussi un tatou, non? Au nom de la beauté. Connais-tu ce que cela a fait dans ta vie? Ce que cela va faire dans ta progéniture? Je mets moi les tatous là, s'il vous plaît. Montez-moi clairement ce tatou là. On a dessiné une sirène. Où ça? À Brazzaville. Pointe noire, à l'occasion de succès. Ok, aujourd'hui, si tu crois, ce qu'on dit, mais ta famille sera libérée les par ton canal. Au Congo, la main. Ton premier ministre sera libéré par ton canal. Moi, au Congo, la main, la au nom de Jésus Christ. N'y a pas de ce qui hein, Tikaï. Voilà des choses. On lui demande confesse maintenant. Elle a, il a honte. Il bah, vient si deux jours, il fuit. Mais tu gardes encore le diable en toi. La dernière fois, c'est un processus. Un simple instrument de la main de Dieu. Je suis fou en Jésus-Christ, oui. Je suis un fou en Jésus-Christ. Que Dieu libère également tous tes enfants où qu'ils se trouvent. Amen. Que tout plan maléfique programmé contre vos enfants soit annulé. Amen. Soit annulé. Amen. Soit annulé. Amen. Et cela par décret céleste. Les anges de Dieu vont toujours vous entourer. Amen. Aussi longtemps que vous croyez en mon Dieu. Lis-moi Exode 23, 25 à 27. C'est ça mon alliance. C'est mon alliance avec Dieu. Je peux l'enlever aussi. Hein? Mon alliance avec Dieu. Oh, Azana ba Micho Piao. Je peux aller. Là, vous êtes carré bandi. C'est mon alliance avec Dieu. Au-dessus de moi, Dieu est là. Je ne peux pas aller au-dessus de Dieu. Je suis une alliance. Je suis une réalité spirituelle. Amen. C'est pas pour les musulmans, c'est pour les chrétiens. C'est pas en Israël. Christ également avait ça. Il avait son kippa à l'époque. Je suis en alliance avec mon Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Si on est magicien, on ressemble à sa bisauté. Mais c'est le chapeau. Mais c'est le chapeau. Nous avons au-dessus à magie. Amen. Au-dessus à sorcellerie. Amen. Au-dessus à yoga. Amen. Jésus-Christ est mon maître. Amen. C'est tout. Si tu as une alliance avec les véritables dieux d'Israël, de la même façon que Dieu protège Israël, il y a un ange là-bas, tu es également, aucune armée maléfique ne pourra t'attaquer. Amen. Parce que tu es dans ce ministère aussi. Ok, vous tikaye. Vous complétez contre un gars dans le ministère. Pour la ni, la saïe de ni. Mais c'est le chapeau. Ah. Tu n'as pas de bon maillot. Au coca. Oui, mais c'est le tindaki. Mais c'est le tindaki. Hein. Oui, mais. Vous n'avez pas de ni. Au PSI, maïe. Attends, vous la ratez.
C'est Christ qui a permis cela. Bon, hé, silence, stop. Au nom de Jésus, amen. Tout genou fléchira sur la terre comme au ciel au nom puissant de Jésus-Christ. Stop. Allez, finish. La terre. Bien-aimé, ça te recèle mangungu, mangungu. Devant le nom de Jésus-Christ, quel que soit ce qu'il est, il va chuter. Amen. Le nom de Christ est un tout très fort au-dessus de toute organisation satanico-magique. Nous, on parle, on a dit. Hein? Afrika Meninga était autorité en Zambie. Moi, je suis qu'un instrument. Devant le nom de Christ, tout genou fléchira. Sur la terre comme dans les cieux. Amen. Même une âme comme ça, âme repétée. Amen. Tu es le poison, l'air repoussé et l'eau. Amen. Mais ben, que tu as des missions accomplies sur la terre et sur le temps. Amen. Si tu as le capote Robert, il est guise au point d'année. Robert, yo, Okumi, combien de ma pédé? Bah, et bah, que ma dame, il bat les points d'année. Bisous, ton bébé, ça va au cerveau. Si vous avez si vous avez un bon goût, vous avez un bon goût. 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 Vous avez enseigné la parole de Dieu. Aujourd'hui, famille des Alliants. Sa famille est là. Famille des Alliants. Non. Il faut bien conseiller à y prier chaque jour. La délivrance, quand ça commence, il ne faut pas kimi ou kimité. Accroche-toi à Dieu. Bon, aujourd'hui, à travers lui, sa famille sera libérée également. Allez, finish. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons continuer. Je vous disais que le thème de ce soir, c'est la délivrance de la famille. L'ennemi connaît que pour te détruire, pour détruire ta destinée, pour détruire ton futur, pour détruire ta progéniture, il a juste besoin d'attaquer la famille. Vous savez, dans le livre des Actes, il y a de ces gens qui ont juré de gêner juste pour amener la mort à l'apôtre Paul. Vous le savez, les diables aussi gênent. On t'a dit de gêner. On en sait la gêne il y a 30, il y a 100 jours. Si cela ne vient pas de Dieu, tu vas mourir. Attends, c'est toujours. Ceux qui osent revenir dans un métier au camisole au Koufa, c'est d'abord une espèce d'autorisation. Il y a un moto 21 jours à Koufi. Parce que Dieu ne l'a pas autorisé. Il faut que le Saint-Esprit ne va permettre. Il faut que le Seigneur la prière. On a sali 21 jours à 500 jours. Si cela ne vient pas de Dieu, tu vas mourir. Le diable aussi gêne. Est-ce que tu le sais? Oui, il fait qu'on copie les choses pour Kamanzam. Acte 23, 12, rapidement. Acte chapitre 23. Verset 12. Le verset 12. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quand les jours furent venus, les Juifs formèrent un complot et furent des imprécations contre eux-mêmes en disant qui s'abstiendraient de manger. Ils s'abstiennent de manger. Et de boire. Et de boire. Jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Amen. Il y a des ceux-là qui ont gêné, qui ont juré. Depuis tes ancêtres, que cette famille ne va jamais évoluer. Dans
dans telle famille, il y aura toujours des troubles. La destruction, des maladies, limitation d'âge, pauvreté, sécheresse, études limitées. Pas de mariage, divorce. Si tu es dans un foyer, tu ne vas pas te réjouir. Parce qu'il y a ces gens-là qui ont fait des alliances depuis des générations. Pour le cas de Paul également, ils étaient là. Hein. Ils ont juré de ne pas boire ni manger. Jusqu'à ce qu'ils ont réussi à tuer Paul. Les loyaux, réunion nous sommes à Sanawondoki. Ils allaient que Baliate va me laisser depuis beaucoup de temps pour échouer. Les loyaux, alliance, que vous allez effacer. Amen. Et que vous allez effacer. Amen. La vie n'a pas de peine, n'a pas de Jésus. Merci. L'ennemi a juré. Bon, il ne sera jamais ton ami. Et pour arriver à te détruire, il va détruire d'abord la famille. Parce que toi, tu viens d'une famille. Comment détruire la famille? On va commencer par détruire d'abord l'aîné de la famille. On l'attaque. Remarquez dans la Bible, même tous les grands de la Bible, leurs enfants premiers-nés avaient toujours échoué. Parce que quand Dieu avait maudit le serpent, et également il a dit à la femme que tu marcheras sur la tête des serpents et t'écraseras les talons, Dieu avait dit que la semence viendra de la femme. Les amis ne connaissaient pas, mais il s'agira de quelle femme. Donc tous les enfants prémenés devaient être. C'est comme ça que Christ, quand il est venu, en tant qu'enfant premier né de Dieu, pour tous ceux-là qui croient, quand il confesse cela, tout pouvoir maléfique contre le premier né sera annulé. Amen. S'il croit. Ceux qui m'ont dit, mais l'ennemi commence par attaquer les nés de la famille. Regardez et voilà. Si vous ne comprenez pas cela, c'est comme ça, remarquez dans les premiers des familles, les ennemis les possèdent souvent. Soit ils sont en désaccord avec les parents, soit il y a toujours des problèmes. Parce que l'ennemi veut toujours réussir sa mission. Quand il réussit à attaquer l'aîné, c'est sa fille ou garçon. Et si tu ne cherches pas d'avoir de délivrance, tu vas continuer. Psaume 11, 2 à 3. Psaume chapitre 11. Du verset 2 au verset 4, j'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde. S'il vous plaît, car voici les méchants bandent l'arc. Suivez bien, s'il vous plaît. Les méchants, c'est l'ennemi de ta vie et de ta famille aussi. On dit, car voici les méchants bandent l'arc. Et ils ajustent leurs flèches sur la corde, bien ajustée, hein, pour tirer l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Tu es innocent. Tu connais absolument rien. Mais l'ennemi a toujours cette mission de te détruire. Toi et ta progéniture, si tu ne cherches pas Dieu. La Bible a dit, quand le fondement est renversé, ah, le juste que fera-t-il? L'ennemi a réussi à détruire tes ancêtres, tes parents, tout consomme. Déjà la base, le fondement a été déjà maudit. Le fondement n'a jamais été restauré. Tu viens en Christ, si tu ne connais pas, qu'est-ce que tu feras dans ta vie? Dieu t'appelle juste parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais attention, le fondement, comment est ton fondement? Si tu ne prends pas l'autorité d'annuler tout pouvoir ma vie dans le fondement de ta famille, déclarer de briser ça en Jésus-Christ, tu vas chercher par-ci et par-là de solliciter, sera difficile. Quand le fondement est renversé, qu'est-ce qui fera le juste? Mon voisin, ton fondement a également été renversé. Depuis des générations. Lève-toi en prière. Déclare les promesses de Dieu. Revendique tes droits de filiation. Dieu t'a fait son enfant d'adoption en Jésus-Christ. Dieu t'a fait vainqueur en Jésus-Christ. Au travers du sacrifice de la croix.
aucun pouvoir de l'enfer n'a l'autorité sur toi. On a encore le pouvoir de te détruire. Si vous croyez, Christ a accepté et donné sa vie en sacrifice. Pendant qu'il mourait sur la croix, il s'est chargé de nos maladies. Il a porté nos malédictions sur la croix. Quel que soit le nom de notre intérieur, dans ses maîtrises, aucune maladie ne reste encore maladie dans nos corps. Il s'est fait pauvre des riches qu'il était afin que toi tu deviennes riche, afin que la pauvreté soit éloignée de toi. Merci Seigneur. My God. Christ est mort sur la croix afin que tu sois libéré. Si tu crois réellement, si tu marches dans ses voies, quelles que soient les réclamations, tu seras toujours victorieux. Les chaînes seront coupées. Pendant que tu es là, sans le savoir, les alliances étaient faites depuis les générations. Tu ne les as jamais brisées. L'ennemi veut chercher également que tu restes toujours captif. Et ceux-là qui ont gêné, ils ont juré pour détruire ta vie. Même ceux que tu aimais comme lui, on a gêné pour détruire sa vie. Il cherche sa délivrance. Bon, aujourd'hui, il est là. Demain, il ne vient pas. Trois jours, il ne vient pas. Il est là. Parce qu'on lui a amené la honte. Quand tu as la honte, c'est l'ennemi qui t'a placé cela. Juste pour que tu ne voles pas. Et là, voici, aussi longtemps tu n'as pas ouvert ton cœur, tu es en train de cacher encore l'odeur maléfique en toi. Mais de la même façon, vous savez, la malédiction peut être individuelle ou également collective. Quand quelqu'un, un individu a besoin de la délivrance à Jésus, c'est autant également pour une famille. Et si la famille n'est pas délivrée, c'est pas avec la délivrance de la famille, alors il sera difficile pour que les enfants et les progéniture évoluent. L'ennemi voudra qu'il vive des conséquences. Papa, Yaka, Fortuna, Yaka. Zamalingi yo Fortuna. Okingai. On dit que aux a délivrance na yo. C'est ça? Hein? Et ndanga bandi boye ke ba ba opé so son. Ba opé so son. Et aussi longtemps qu'on confesse publiquement dans la manifestation, tu gardes encore des choses au Satan. Sur la sonité. Le 4 ans, dimanche, on confesse publiquement. Oui, mais il est Satan, ça me l'a pour que le gars de l'Ouangut n'aille. Ça va? Et il y a ceux qui l'ont dit, le Gokimi, au Dejo Kim, Keba. Quand tu commences au bail de l'évance, Kangama Nanzambe, Satan qui est moussikate. On sait, deux jours, il était, trois jours. Aussi longtemps que le démon va comme il révélé, par le Bundisayo, c'est qu'on chaque jour, protection est dans le Zambé. Ok, Ngaï? Amen. Oui, mon Santa Sungayo. Merci. Tout comme un individu peut expérimenter une délivrance bien-aimée, personnelle, c'est autant également pour une famille. Et le Seigneur voudrait qu'à travers toi, ta famille soit libérée. C'est comme ça que dans les malédictions qui contrôlent les familles, tu verras des limitations, les célibats, la sérénité, le divorce, la pauvreté, tout cela. Mais Christ a déjà donné la solution pour tout cela. Il a vaincu tes batailles. C'est à toi de croire. Les promesses, c'est de croire d'abord. Mais quand tu penses que tout ce qui se fait est sur du théâtre, tu ne vas rien recevoir. Tu vas rien recevoir. Pour venir écrire, tu vas d'abord, j'ai rendez-vous. Dieu après, tu vas rien recevoir. D'abord, c'est Dieu. Les autres choses du monde, c'est après. Dieu voudrait que tu vives une vie heureuse sur la terre. Également, tu puisses avoir
une vie rassasiée des vieilles sur la terre afin de rendre gloire à son nom. Dieu t'a pas créé un échec. Dieu t'a pas créé un stérile. Il t'a pas créé pour mourir si tôt. Il t'a créé pour sa gloire. Et tout ce qu'il fera sur la terre, c'est pour rendre gloire à son nom. Tu n'es pas là pour t'enorgueillir. C'est le malin, le diable, qui t'a amené toutes ces histoires que tu traverses maintenant. Mais pour ceux-là qui croient en Jésus-Christ, pour ceux qui sont fidèles, Dieu permettra, comme les finir son alliance, que leur vie ne reste plus la même. Amen. La délivrance d'une famille. Quand on l'a commencera par les premiers-nés de ta famille aussi. Parce que si les premiers-nés, si on veut détruire une famille par les premiers-nés, Dieu peut aussi libérer une famille par les premiers-nés. Celui qui porte le fardeau de la famille, qui est l'aîné de famille ici, lève-toi, l'aîné d'une famille. L'aîné d'une famille. L'aîné d'une famille. Vous avez moins de bosser dans la famille. Tu as une grande responsabilité spirituelle. Si tu peux croire en Dieu, véritablement alors être sincère avec Dieu, à travers toi, Dieu va libérer tous les autres de ta famille. Et si également tu es libéré, ton premier-né également sera libéré. Si tu es libéré, la famille sera libérée, la projeture sera libérée aussi. Et l'ennemi s'organise toujours. Regardez tous les premiers-nés de famille, comment ils sont combattus. Tu peux être premier-né de garçons ou de filles. Je prends dans une famille, l'aîné c'est un garçon, la seconde une fille. C'est-à-dire qu'il y a l'aîné des garçons, il y a aussi l'aîné des filles. Voilà comment ils sont combattus. Et si vous ne comprenez pas que c'est à travers vous que Dieu peut délivrer votre famille, vous serez responsable. Vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin alors véritablement de Dieu. De chercher Dieu pour que votre famille soit libérée aussi. Également que vos enfants soient libérés. Sinon, on va te distraire d'être loin de Dieu. Distraction des choses du monde, trouver les choses de l'église comme étant un zambé, comme étant quand l'ennemi veut te détruire, il va t'éloigner petit à petit de Dieu. Allez dans la Bible, hein? Même les enfants des grands serviteurs ont été destitués par l'ennemi, hein? Dieu a envoyé Christ pour que ceux-là qui croient sincèrement, mais les diables ne partent jamais en vacances. Si vous croyez, de la même façon que Christ est le premier né pour nous les chrétiens, toi également, si tu crois, tout pouvoir qui compte les avoir premier né sera arrêté. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, le premier né est supposé porter le fardeau de la famille. Il est victime quand une invasion démoniaque prend place dans une famille. Alors il a besoin d'une délivrance spéciale. C'est pareil comme pour ton père ou ta mère qui est l'aîné d'une famille. Priez pour eux. Pour porter leur sang, leur semence. À travers vous, Dieu aussi peut le délivrer. Bien aimé, il y a un pouvoir connu sur un pouvoir de destruction de famille. On peut voir cela dans Ninive. Il nous dit dans le livre de Nahum qu'il y a un pouvoir qui vend les nations et les familles. C'est un pouvoir de la sorcellerie. Hein? De famille. Aujourd'hui, Lélo. Dans des familles, il y a des divisions. Dans des foyers, il y a des divisions. Tu verras que les divisions ont commencé depuis bien avant que vous soyez nés. On vous a laissé grandir. Pour rien. Vous êtes là, oui ou non, qui est concerné? D'abord, les familles divisées.
Lève-toi là où tu es, là, lève seulement ta main. Et les familles divisées. Et les familles divisées. Et les familles divisées. C'est un ami qui a fait cela. Vous étiez enfants, vous étiez ensemble. Tant Bokoli vous a divisé. Et quand la division rentre dans une famille, la décision va aller depuis plusieurs générations aussi. Dire également que bien avant vous, même vos ancêtres et vos parents aussi, à un moment, ils étaient divisés. Si vous croyez, toute famille divisée sera unie. Amen. Sera restaurée. Amen. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a que Christ qui libère. Si vous croyez, le problème c'est la foi. J'aime beaucoup l'histoire de quand Christ devait rentrer à Gethsémané, quand il a terminé de prendre sa Pâque. Avant de traverser un moment noir dans sa vie, il a demandé à ses disciples dans le livre de Matthieu, évangile, de Matthieu, arrêter dans le village voisin. Où tu verrais une ânesse attachée à un. Je parle de la famille. La messe là où il était attaché dans le village voisin. Il y avait aussi des surveillants. Donc il ne pouvait pas évoluer au-delà de la corde. C'est pareil. Tu penses que tu es libre. Mais plus loin depuis les générations. Ton papa était ou ton ancêtre était dans un village enchaîné, vous a livré. Tous, même si tu es né ici à l'étranger, attaché sur une corde. Limité. Tu penses que tu évolues. Non. Dieu te voit sur un autre plan. Si vous croyez, la corde sera coupée. Amen. La corde sera coupée. Amen. La corde sera coupée. Amen. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Matthieu 21, 1 à 4. Et après, tu vois également après, Luc 4, 18. Matthieu chapitre 21, du 1er au 4e verset. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et ils firent arriver à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. » L'ânesse qui était la mère de l'anneau, donc la même façon que la naisse était attachée, la non également. Tu ne connais pas depuis combien de temps. Tu restes sur la corde là, malgré que tu pries. Depuis combien de temps la maladie te localise. Les échecs te localisent. Tout simplement parce que la corde n'a jamais été coupée. Si tes parents ont été déjà attachés plus loin au village, tes ancêtres, tu n'as pas coupé cela. Tu es là dedans. Et également, tout autour de la naisse et d'Anon, il y avait des surveillants. Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle, détachez-les et amène-les, moi. Le Seigneur voudrait, si vous croyez. Il est venu libérer les captifs. Si vous croyez, tu seras libéré des liens générationnels. Amen. Les divisions dans les familles prendront fin. Amen. Il est venu pour unir les familles. Amen. Unir les parents et les enfants. Amen. Les enfants et les parents. Amen. Les filles et les garçons de même famille. Amen. L'homme et la femme doivent être unis également. Amen. C'est ça, Jésus-Christ, dans son amour. Le diable sera loin de vous. Et un anneau avec elle, détachez-les, amène-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a. Et à l'instant, il les laissa aller. Christ a dit à quelqu'un ce soir, Christ, si vous croyez, des liens qui ont longtemps retenu vos parents, vos ancêtres, et que vous étiez encore captifs depuis des générations, ces liens seront coupés. Quelques soit générations seront coupées. Et cela par décret céleste au nom de Christ. Amen. Amen. Luc 4, 18. Luc chapitre 4, le verset 18 et 19. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Et aux pauvres le recouvrement de la vue. Amen. Pour envoyer libres les opprimés. Amen. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Si nous voyons encore dans le livre d'Ésaïe, le prophète messianique, on verra également que 700 ans avant que Christ se soit né, ce passage aussi existait. Et Christ est venu confirmer cela. Qu'on a vu là-bas au livre de Luc. Je dis à quelqu'un ce soir, la bonne nouvelle est que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu marches dans ses voies. Tu ne paieras jamais les dettes spirituelles de tes ancêtres ou de tes parents. Et tu crois au Seigneur Jésus-Christ ce soir. Toute corde qui te retenait captif depuis des générations. Qui a retenu tes ancêtres et tes parents seront coupés. Qui retient tes enfants également sera coupé. Qui limite tes affaires sera coupé. Amen. Qui t'amène à la pauvreté sera coupé. Amen. Les échecs sera coupé. Amen. L'austérité sera coupée. Amen. L'austérité sera coupée. Amen. Le célibat sera coupé. Amen. L'humiliation sera coupée. Amen. Les maladies sera coupée. Amen. Et cela par décret céleste au nom de Jésus-Christ. Et attention là-bas. Ce qui manifeste, amen, les devant. Merci, cher Sainte Grâce. Je vais commencer par premier cas. Vous que vous compreniez que quand l'ennemi arrive à diviser la famille, il va détruire. Il va détruire. Je crois pas ce cas ici. Papa et maman, où la famille passait devant ici. Prenez ma papa et maman, tout le monde passe devant. Vous allez comprendre comment le diable fait. Et ce qu'on appelle également, soit des serviteurs, comment ils détruisent également la vie des gens. Ce n'est pas un méchant intelligent. Papa, on est même allé en Arabie Saoudite, il a eu beaucoup d'argent. Alors, il ne peut pas réussir dans la vie. Et c'est une longue atteinte au moins. Tu n'as pas de monnaie. 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 Ce qui est bizarre, où est le garçon? Il est à l'école. Ton jeune frère. Qui vient ici? Pour la petite histoire. Vous avez vu que ça fait 3-4 fois qu'on parle de ce foyer. Pour que vous compreniez ce que le diable est capable de faire dans vos familles. Ce monsieur, un méchant intelligent, il était bien. Mais, il ne savait pas qu'il y a 1500 ans, dans son village. Papa, quel village? Village Nil, papa. Quel village? Bakombo. Bakombo. Oui. Où ça c'est le Mbunza? Oui. Il y a 1500 ans. On a fait des alliances. Lui n'était pas né. Son papa n'était pas né. Mais 1500 pour qu'il soit. Il y a 500 ans. Non, lui c'est maman 500 ans. 1500 ans. On a fait des alliances. On a dit que. Il y a un chef du village qui voulait être grand dans la famille. Ils ont creusé un trou. Ils ont que lui va diriger, sera chef, il sera ici, cela, mais la progéniture sera sacrifiée. C'est depuis ce temps-là, il y a plus de 1000 ans que Bateka Bambonion sort. C'est comme ça qu'il y a un bakoli, vazokola. Oui, vazokola, à un certain âge, 4 personnes vont confirmer. Deux également lui. Maintenant, ce qui est pire, c'est quoi? Si vous avez ma bise, on a aussi choisi une femme. Bah, l'occupe sous moi-ci. Avec les mêmes réclamations. Na mon beko, moko ma bota. La maman qui a donné naissance à cette femme. Maman bota, maman oyo. Et son père n'a eu que 2 enfants. Vazarobe na bana mi balé. Son grand frère est pasteur, 61 ans, pas marié, pas d'enfant. Yeah,
lui-même marié, mais malheureusement, il a perdu deux enfants qui ont terminé l'université en un laps de temps. On veut encore que ce garçon qui est né de la famille mère, parce que du côté papa et maman, ils prennent 50%, 50%. Ce qui se passe ici, c'est également identique dans ta famille, mais sous une autre forme aussi. L'ennemi a planifié des choses dans chaque famille. Et si vous ne cherchez pas la vraie délivrance en profondeur, vous resteriez une histoire. Vous allez blâmer Dieu, mais Dieu a déjà tout fait en Christ pour vous. Lèvez-vous en prière, demandez la faveur de Saint-Esprit et tout sera révélé. Maintenant, pour les détruire, ces garçons qui est l'aîné de la famille, quand il était à l'université, il y a 17 ans, à l'âge de 20 ans, il a commencé à tomber épilepsie. Tu as déjà 39 ans. Donc pendant 17 ans, il était épileptique. Il a aussi sillonné les églises. À qui même je fais des exorcismes, par-ci, par-là, il a donné de l'argent. Pour le détruire encore, on va l'amener chez soi des uns serviteurs. Hein? Il lui a dit que papa n'a pas de qui y en a confirmé. Papa a habité pour l'éloigner du parent. Le monsieur a saliné à cause d'une alliance à ce qu'il y a. Azu Mungwana huile d'olive à Sangisi à Sukolier à causer une alliance. Le monsieur croit que ce sont des parents qui sont des sauts. Tu peux dire ce qui s'est passé là où tu es parti. Dites-nous parce que c'est dans la délivrance. Vous que vous compreniez, quand le diable veut détruire, il va commencer par les nez. Tous nos voisins, Otiaka Makolowapi. Otiaka Makolowapi. Tous nos Otiaka Makolowapi. Otiaka Makolowapi. Aujourd'hui, tu seras totalement libéré. Amen. Faut dire, maman, papa, bon condamné moi na te, et va pouvoir y a destruction. Ah ouais, j'ai calculé 1500 ans. Toi, c'est combien? 300 ans. Donc, hein? Bah là-bas, faut à 1800. Yo, quand t'as encore ma pasteur, t'es en seulement pas il a combien qui ont? Faut tu peux naître. Alloquer délivrance. Pèse un micro. Vous allez comprendre comment le diable travaille dans vos vies. Parce que dès qu'on arrive à prendre l'aîné, on aura reçu les restes. Aujourd'hui, l'aîné de ta famille sera libéré. Amen. L'aîné de ton foyer sera libéré. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Papa, raconte-nous la petite histoire. Comment tu es? Je ne te condamne pas et personne ne te condamne. C'est juste pour ta délivrance. Raconte rapidement, papa, ce qui s'est passé. Je ne te condamne pas. Bon, ce qui s'est passé, après avoir sillonné plusieurs ministères dont j'étais les noms, le dernier ministère que j'ai visité, c'est un ministère qui, à ma tête, précisément à ma tête. Bon, l'homme de Dieu m'a, entre guillemets, l'homme de Dieu m'a dit que non, l'épilepsie que j'ai émane du côté paternel. Et puis c'est mon propre père qui est à la base. Donc c'est lui qui a ouvert les portes pour que je sois épileptique comme ça. Après cela, il me dit, comme tu as fait l'alliance avec moi, là où tu travailles, il a voire même cité l'endroit, ce qui m'a étonné, l'endroit où je travaille. Donc, là où tu travailles, ce n'est pas vraiment mien. Tu dois être embauché à la présidence cette année même. Donc toi-même tu ne sauras pas comment est-ce que tu vas te retrouver là-bas. Donc tu commenceras à percevoir, voire même des rémunérations, et celle de la présidence et celle de là où je travaille. Donc c'est par là qu'il m'a... C'est ça l'esprit de séduction. Allez-y. C'est par là qu'il m'a dit, pour me racheter de cette épilepsie, de ces liens, donc je lui dois $200 en espèces.
$200 et quoi? $200 et quoi encore? $200 en espèces pour que je puisse maintenant participer à la séance de délivrance. Ah. Bon. Heureusement que j'avais aussi l'argent en question en poche, je lui ai donné cash comme ça. Après cela, il m'a avec pris... ça, tout ton argent était rentré dans votre tenet, contrôler les finances. Allez-y. Après cela, il m'a fait entrer dans son bureau. Bon, j'ai vu directement qu'il a fait sortir un petit seau contenant de l'eau. Il m'a dit que cette eau, ce n'est pas une eau qui émane de par-ci, par-là, mais c'est une eau puisée dans les robinets même de l'église. Il a mélangé de l'eau en question avec l'huile d'onction. L'huile d'olive, pas d'onction. L'onction satanique, oui. Allez-y. L'huile d'olive, voilà. Il copie des choses de Dieu toujours. Allez-y. Après cela, je lui ai vu sortir du sel. Sel de table, c'est ce que les mamans préparent. Les diables copient même le sel. Ils copient aussi des choses. Allez-y. Il a fait sortir ses sel de sa poche. Il a mélangé avec cette eau, avec... Au début, au cas sel béni, au cas sel maudit. Allez-y. Après, il commençait à donc, sur les champs même, il commençait à m'essuyer. Il t'a lavé avec ça. M'essuyer. Il m'a dit, tu peux te diriger aux installations sanitaires pour prendre des bains, mais ce n'est pas du tout utile. Il a pris un petit mouchoir, là, il commençait à m'essuyer de la tête, au bras, dans presque toutes les parties du corps. En revenant à la maison, les premiers jours, je me suis senti un peu passable. On t'a même montré un œuf là-bas. Un œuf, on a écrit ton nom. Il y avait un œuf. Liki. Effectivement, j'ai oublié cette partie. Après, c'est avant de me nettoyer, il m'a fait sortir une enveloppe contenant un œuf. Liki. Contenant un œuf. Dans l'œuf en question, on a mentionné. Son nom. On a mentionné dans les marqueurs. Clotaire, dans mon nom, mon prénom. Clotaire Okoku Falelo. C'est comme ça qu'on a mentionné. Et puis, dans l'enveloppe, il y avait pas seulement l'œuf, il y avait aussi un 500 francs. Tout neuf, il y a 6 cabinets. Et puis, les papiers mouchoirs déjà utilisés. Donc, il m'a dit que non, tu étais aussi parti chez un homme de Dieu qui était aussi un occultiste. Voilà qu'il faisait aussi alliance avec ton père et les sorciers de ta famille du côté paternel. Donc, voulait te bouffer aujourd'hui. Donc, voilà l'argent avec lequel ton père t'a vendu par 500 francs. Donc, si tu n'étais pas passé par ici, tu allais disparaître aujourd'hui même. C'est ce qu'il me disait. Je te dis seulement que c'était un plan pour te détruire. Il est bon, c'est pour notre bébé, ça y est. Depuis lors, comment est le contact avec tes parents parce que tu avais rejeté les parents? Depuis combien de temps? Pardon? Cela est passé depuis combien de temps? Bon, il y a récemment ici, quasiment 2 mois, je peux dire. Je dis, ton père n'est pas sorcier, ta mère n'est pas sorcière. Azaline doit quitter. Après, excusez. Allez-y. Il m'a aussi donné une recommandation. Il m'a dit, en tout cas, si tu passes à côté de cette recommandation, ce qui t'arrivera, en tout cas, tu t'en prendras qu'à toi-même. Il m'a dit, je ne peux jamais fouler sur la parcelle familiale de chez nous, parce que nous habitons Lemba. Moi, oui. Il a dit, tu ne peux jamais fouler tes pieds là-bas, ni voir ton père comme ça les rencontrer. Au moins, ta mère, vous pouvez vous rencontrer, parce que nous travaillons au même ministère avec maman. Et vous pouvez vous rencontrer avec votre mère, avec ta mère, mais pas avec ton vieil. Donc, tu avais haï ton père. Bien-aimé, dès qu'un enfant haït son père, que le papa sache ou pas, la lampe s'éteint, cet enfant est sous la malédiction. Déjà, quand tu es un parent, es-tu prêt à demander pardon à ton père maintenant? Papa est innocent. Merci. Hein? Oui. Passe le micro. Papa. Papa. Oui. Vous voyez, mais l'autre côté. Mais
ba réclamation sali po ba baby sa mwana na yo. Hein? Papa zo kangai? Oui. Mwana o senga pardon, ko di ma pardon na ye. Mama répondra la place na je na ta pas. Oui. Ba tuni hein, ce que on di ma pardon. Mwana nga senga pardon, o ko di ma pardon ya mwana. Cet enfant, j'étais devant ton père ici. Ajoute-toi là-bas. Demande pardon à tes parents. Avant que tu... Hein? J'ai commencé le travail hier. Demande pardon à tes parents. Père micro, là. Dans tes familles. Ouais. Ouais, papa. Hein? Papa Manguinda, Jean-Pierre, je m'humilie devant vous. Je demande pardon par rapport à tout ce qui s'était passé. Donc, je m'étais retrouvé dans les mains des faux hommes de Dieu. Ils m'ont fait croire que non, c'est vous qui êtes à la base de tout ce que je suis en train de vivre. C'est grave. Veuillez me pardonner au nom de notre Elohim. Je me demande mille excuses, mille pardons. Papa, acceptes-tu le pardon de ton enfant fils aîné? On dit, mais vous l'aimez, c'est moi, non? Oui. Ok. Tiens ta main sur sa tête et appelle son nom. Appelle le nom de ton enfant. Andunga. Je te pardonne. Andunga Clotaire. Je te pardonne. Nandimi pardonne ayo. Oyo lobi Nandimi. Osa monamo kosa ki monamo très très impoli. Mais le nom Nandimi pardonne ayo ali be. La combo na esumasia. Amen. Amen. Pété l'ensemble, ma boko. T'es mis en gai. Toi, soi-disant serviteur, hein? Tu viens détruire la famille. Soi-disant serviteur. Tu n'as eu aucun dégât pas un ami, bah, sakoli ma kambou, que papa zandoki, maman zandoki, ata para zandoki, tika yena bondokena yo sambela. Fais seulement le devoir, honore ton père et ta mère, c'est tout. Tu es déconnecté dans l'âme. Il y a un serviteur voilà, qui t'avait connecté au nom de Jésus-Christ. Allez, vite, allez, sors de ce corps. Sors, toi, serviteur. Hein? L'église Bokendek. Hein? Tellement le bas, Nazakomi déconnecté. Nazo déconnecté ma parent Nangaï. Nazo déconnecté ma parent Nangaï. Ba famille Nangaï. Famille Nangaï. Moissi Nangaï. Moissi Nangaï. Obaï Nangaï. Obali Nangaï. Bana Nangaï. Bana Nangaï. Na alliance Nyoso. Na alliance Nyoso. Oya fausse religion. Oya fausse religion. Oya occultisme. Oya occultisme. Oya magie. Oya magie. Oya contre la Bango. Oya contre la Kabango. Basa déconnecté au nom de Christ. Allez, prie Dieu. Allez, prie Dieu. Allez, Jésus Christ. Priez Dieu, c'est pour ta grâce. Priez, déclarez cela. Nous avons ainsi prié au nom. Amen. Libère ta vie aujourd'hui. Que tout qui était fermé soit libéré dans ta vie. Que tu sois déconnecté de puissance maléfique, de cet homme maléfique et de celle maléfique qu'on t'avait nettoyé. Il faut sa alliance. Sois libéré de cela au nom de Amen. Sois guéri total. Merci Seigneur pour la guérison du papa. Mais guérison au nom de Amen. Personne ne voudra tant de Dieu. Merci Seigneur pour cette famille. Amen. Amen. Et peut-être que nous baby ça. Nazo baby ça. Lien sur la division. Lien sur la division. Na foyer n'angaï. Na foyer n'angaï. Na famille n'angaï. Na famille n'angaï. Na bana n'angaï. Na bana n'angaï. Na baby sur le nom aussi à prier Dieu. Allez, baby ça. Baby ça lié à division. Brimo à division. Baby ça yango na bana nayo. Baby ça brimo à division na bana nayo. Division na foyer nayo. Baby ça pe yango. Nous avons ainsi prié Dieu au nom de Jésus. Amen. C'est acté. Voilà, c'est un cas. Maintenant, notre cas ici, les alliés que
Boza papa maman moko me boyoka na kati na famille wana. Papa, makinemasi. Oui papa, oui. Ah, excusez apôtre. Oui. Après avoir passé dans la ligne de prière, qui a manifesté une série de prières ici, non? Oui. Oui. Aujourd'hui, je peux dire la nuit aujourd'hui à 1h du matin, je me suis réveillé. Donc, dans l'inconscience, là maintenant, je n'ai pas fait la crise, mais c'est comme si j'avais si bien une perturbation mentale. Donc, j'ai entré dans les installations sanitaires. J'entre dans la cuisine. Voilà. Donc, il a manifesté le dimanche passé une prière ici. On a dit quoi, hein? Tu sais qu'il est plaisir, c'est comme si c'était le bon. Qui était là? Hein? Rien ne va t'arriver. Maintenant, accroche-toi à Dieu. Tu seras dédicacé à Dieu. Rien ne va t'arriver. Hein? Amen. Tu es décrété l'esprit à pasteur, wana, prophète, wana. Hein? Attention, accroche-toi à Dieu. Dieu a réuni la famille. Ça va? Amen. Amen. Shalom. Il y a un cas ici où les gens ne se mettent pas d'accord dans la même famille. Et on va terminer bientôt. Une même famille, Boyo Kanakati, Bozan a un problème. Tu es là. Je n'ai pas là, je passe. Vous blaguez? Vous blaguez? Passez devant, on va prier. Et pendant qu'il passe, tellement le bas, Nazo Baby Salien Yonso. Nazo Baby Salien Yonso. Oui, contre la cas les enfants premiers-nés. Oh, contre la cas les enfants premiers-nés. Na famille Nabiso. Na famille Nabiso. Nazo baby sango. Nazo baby sango. Na foyer nangai. Na foyer nangai. Nazo baby sango. Nazo baby sango. Na bana nangai. Na bana nangai. Na progeniture nangai. Na progeniture nangai. Na baby sango merci à le prier Dieu. Baby sango merci merci. La délivrance de la famille. La délivrance de la famille. Nous avons ainsi prié Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Dieu vous a mis ensemble dans une famille pour être unis. Que vous soyez ce que vous appelez les enfants de X ou Y, aussi longtemps vous avez le même sang, c'est pour être unis. Que vous veniez dans une même matrice, ou dans une même sémence de papa, vous êtes obligé d'être unis. Si le diable arrive à vous diviser, c'est par là qu'il va contrôler tout le monde aussi. Je vais vous condamner, pas? Mais c'est un pouvoir maléfique que l'ennemi a semé. Quand il divise, il va détruire. Quand il divise, il amènera la pauvreté. Il amènera les divisions. Il amènera les maladies. Des limitations. Bandelo. Parce qu'il trouvera un terrain facile pour agir. Si vous croyez, de la même façon que le Seigneur Jésus-Christ avait envoyé ses disciples du village voisin pour prendre la naisse qui était attachée avec un anneau, également ces liens qui vous retient encore dans la captivité sera coupé. Au nom aujourd'hui, amen. Amen. Je prends l'exemple. Tu es en désaccord avec qui? Tu es en désaccord avec qui? Tu es en désaccord. Rapidement. En fait, il y a une division du côté paternel. Mes parents, ici à Kinshasa, depuis longtemps, ils étaient toujours ensemble. Mais à un certain moment, il y a une grande division qui s'est installée parmi nos parents. Et cela a affecté même nous, les enfants. On ne se visite pas. Et on attendait que beaucoup là. Division est quoi? Comment est la vie de ton père? Comment est maintenant la vie de ton père? Mon père, pour le moment, rien ne marche. Et puis, quand on attaque les papas, tu as sa semence, oui ou non? Oui ou non? Oui. C'est comme également le cas dans un foyer où la femme maudit son mari. Vous avez des enfants, mais les enfants ont la semence de leur père. Quand tu maudis le mari, automatiquement tu maudis même tes enfants. Sans que tu le saches.
Chez fait à Kanda, allez, au fini mobile. Yo, que bongate, loba kaka, loba, loba. Oyo kasa kon loki mobile. O loki ban, non bokona progeniti. Nan indoki? Ah, vous avez au N'est-ce pas que son père, lui, il a la semence de son père, oui? L'ennemi a mis la division de la famille. Voilà maintenant sa vie. Il y a madame, il est juriste, comment est sa vie? On ressemble pour une unité, ils ont la famille, mais non. Ils ont à côté à votre tata, moi, la famille, nous avons bâti à unité. À quatre tabaliers, on a parce qu'ils vont détruire plus tard. C'est le temps. Tant que tu as une division, on a une famille, un papa, naïe. Ni pour ça, on a bâti. Dieu n'est pas de la division. Quand vous avez réussi à mettre la division là-bas, qu'avez-vous fait maintenant dans la vie de leurs enfants ou leurs progénitures? Hein? Hein? Est-ce qu'il y aura la réussite là-bas? Ah, c'est bien cool. Mais attention, le diable est rusé. Hein? Quand vous avez réussi à mettre la division dans la vie de leurs parents, les parents, qu'avez-vous fait dans la vie de leur progéniture? Hein? On a mis la pauvreté extrême. La pauvreté extrême. Et puis, beaucoup de division, beaucoup de sécheresse, beaucoup de bénéfices, il y a dans la famille, quoi? Même la mort. Parce que quelque part, les gens n'ont même sang, pas en qui. Hein? Le manque de mariage du côté de son père, aucune de ses de leurs filles s'est mariée officiellement. Ils sont toujours des filles mères. Priez pour votre famille, pour lutter dans la famille. C'est l'ennemi qui amène cette division-là. Pour juste attaquer, pas seulement vous, et vos enfants, les enfants des enfants aussi. Aujourd'hui, Dieu amènera l'harmonie dans le foyer, dans les familles divisées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cela soit ta portion. Amen. Voilà. Libère. Que les chaînes de division soient coupées dans sa vie, dans sa famille. Et que sa vie soit totalement libérée. Les enfants libérés. Également les parents libérés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas encore un cas ici. C'est le temps qui fait défaut, mais on a beaucoup trop à prendre. Celle-ci également. Bon, tiens, division. Vous apprenez des choses ici. On a dit qu'il y a un peu de temps. Tout le monde a dit qu'il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu normal. Zamba dit ça. Samba la pointe de mina. Zamba justifie. Tu te crois que tu le maudis? Tu es en train de maudire toi-même. Où est ton cœur, Dimitri? Division, Botia, rapide, rapidement ici. Hein? Botivisa, Banani. Hein? Voilà comment l'ennemi a bloqué. Que tout soit révélé dans les messieurs, si on en joue. Amen. Botivisa, Banani. Botivisa, Banani. Na famille ndo rendre moi dire haute yé binote yo qui peut te ringaye ça me pas naï pose au coin la piège té ce qui était causant un problème. Hein, vous avez le lien du sang. Dans l'alliance du sang il y a beaucoup de choses. Diviser la banane botia à vous contrôler famille, la délivrance de la famille. Pour te diviser, on a beau contrôler la famille.
Hein? Que tout soit révélé dans l'image du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Quelle division ici au côté de famille? Les enfants. Hein? Les enfants de notre frère. Vous avez divisé les enfants de votre frère. Votre frère n'est plus en vie, il est mort. Donc ce sont ses enfants ici. Vous avez divisé pourquoi? Vous savez quelle mission derrière la division? Ce sont des stratégies. Des stratégies. Ah! Que nous cherchons pour frapper. Ok. Aujourd'hui, la devant de la famille, cette famille sera unie. Des mots de division sort. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va terminer ici pour prier. Toi aussi, tes parents sont en vie. Maman est morte il y a une semaine, 3 jours. Maman Koufi. Division est née de vos enfants en famille. Papa et maman Bazan, maman Koufi une semaine, mais les enfants Bazan en division. Hein? Bah, maman va kabouana, bisopé bana. Voyez, papa. Maman là, bah, déconne, Bazan. Au moins, il y a un gokunate. Monika gokunate. Ah ouais. Papa, bah, il y a un famille. Et tu es ban. Hein? Faut te. Écoute, tu n'es pas ban. Vous apprenez des choses. Tellement. Le bas. Géant Nyonso. Géant Nyonso. Oya Kumbaka division. Oya Kumbaka division. Na famille Nangaï. Na famille Nangaï. Na foyer Nangaï. Na foyer Nangaï. Entre ban Nangaï. Entre ban Nangaï. Oya Jura. Oya Jura. Depuis ma génération antérieure. Depuis ma génération antérieure. Qu'à un moment de la vie. Qu'à un moment de la vie. Divisé cocota. Division et cocota. Entre les enfants. Entre les enfants. D'une même famille. D'une même famille. Divisé cocota. Division et cocota. Na foyer. Na foyer. Poète à détruire. Poète à détruire. Akumba maladie. Akumba maladie. Akumba divorce. Akumba divorce. Akumba pauvreté. Akumba pauvreté. Akumba humiliation. Akumba humiliation. Akumba limitation. Akumba limitation. Les loyaux. Les loyaux. Toi Hérode. Toi Hérode. Toi Goliath. Toi Goliath. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu es enchaîné. Tu es enchaîné. Sors de ma famille. 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 Sors de ma vie. Sors de ma vie. Au nom de Christ, priez Dieu. Allez. Priez Dieu. Priez Dieu. Voilà ici. Nous avons ainsi prié au nom de Amen. Déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix. Que la paix. L'amour du Christ. L'amour du Christ. L'harmonie. L'harmonie. Règne. Règne. Dans la famille de mes parents. Dans la famille de mes parents. Dans mon foyer. Dans mon foyer. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes enfants. Priez Dieu. Déclarez cela. Déclarez. Merci. Chorale. Merci. Déclarez cela. L'unité. L'harmonie dans la famille, dans le foyer, dans la vie de vos enfants. Que cela règne désormais, désormais, au nom de Jésus-Christ. Priez Dieu, priez. Seigneur, unité, vous nous sentez unité dans la famille. Hein? Voilà la division de Nyons. Priez Dieu. Merci, cher Saint, de ta grâce. Vous dites, Santa Kumba, unité dans la famille. Unité dans la famille. Merci, ta grâce. Priez, priez. Priez. Olu, Tchabo Moko, Nalibota Nangai. Tchabo Lingo, Nalibota Nangai. Tchabo Yokani, Nalibota Nangai. Nazwa lisusu esikate Bona koya kolona maladi Bona koya kolona kufa Bona koya kolona bomoko Molimo monsanto Molimo nansambe Kota na mabota na biso Kota na mabota na biso Lona bomoko Lona bolingo ya solo
lona bolingo solo na kati na mabota na biso na kombo na Yesu masiande kozali kokoba kobondela tango ntoma zobondela kuna yo zobondela pepo na libota na yo ozobondela pona bana bandeko na yo pe bazana division bondela seko yawe nzambe mona libota na ngai mona mabota bandeko na ngai nyonso nzambe Monguna ye pona kokabola biso Monguna ye kolona manque d'amour, manque d'unité Po akota détruire sa famille Kolo kamba biso Que la paix du Christ vous localise partout Que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ habite vos cœurs, vos maisons, vos familles ainsi que nos foyers Amen Que les géants de la division soient enchaînés Qu'ils soient éloignés de votre vie. Amen. Qu'ils soient éloignés de vos familles. Amen. De vos foyers. Amen. Et également de la vie de vos enfants. Amen. Que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies. Amen. Et dans tous les secteurs. Au nom de Christ. Amen. Amen. Que ton chemin de retour soit plongé dans le salut. Amen. Amen. Shalom. Shalom.